to confusion. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Mirador Télévision et bienvenue à tous et à toutes à ces grands rendez-vous de face à face sur votre chaîne de prédilection. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo avec l'arrivée récente de quelques 200 familles en provenance du Rwanda? On en parle dans ces numéros. Les concertations nationales tant attendues touchent à leur terme. Quelle issue à ces grands forums nationaux? Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité à Mirador. Sur ce plateau, M. Benoît Yolama, un membre de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Bienvenue chez Mirador. Merci beaucoup de nous avoir invités. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Vous ne serez pas seul sur ce plateau. Je suis également heureux de recevoir M. Norbert Yambayamba, un membre de la société civile et qui aime bien qu'on les présente comme un paysan. M. Yambayamba, comment vous allez? Ça va. Encore une fois, bienvenue chez Mirador. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Benoît Yolama, je l'ai dit au début de cette émission, 200 familles rwandophones, du coup, s'installent à Tchengerero. Or, nous savons, c'est une zone contrôlée par les éléments du M23. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que le projet de la balkanisation de la RDC vient là de faire un petit pas? Bon, moi, je ne pense pas que le projet vient de faire un petit pas. Et je crois que le projet est toujours dans leur tête. Et l'acte qu'ils ont posé, c'est certainement pour faire pression au gouvernement de la République, pour que les soi-disant contacts aux négociations de Kampala aille dans le sens qu'ils sont en train d'objecter. Mais comme toujours, je ne cesserai de vous dire que si nous ne prenons pas garde, nous nous entardons à nos petits intérêts, et je crois qu'un jour nous serons surpris de voir que le Rwanda a occupé Rutshuru et Goma au détriment de Banyarwanda. Et principalement, ce sont des citoyens Tutsi qui veulent occuper la partie de la RDC pour créer ce qu'on appelle Tutsiland. Il y a eu des études qui ont démontré cela, et nous ne sommes pas surpris puisque même aux États-Unis d'Amérique, il y a eu des études depuis 1958. Et l'Église catholique ayant joué un rôle très important par un ancien évêque qui a pu donner une grande importance à la communauté Tutsi au détriment de la communauté Hutu, démontrant que les Tutsi étaient plus citoyens que les Hutus. Et je crois que c'est cela qui est en train de nous arriver avec la démocratie galopante du Rwanda. Je crois que le Rwandais ne gère que par cette méthode. Et je ne suis pas aussi surpris, puisque lors de vos précédentes émissions, nous avons eu à décrire l'attitude qu'avait affichée Tangana ainsi que les autres, demandant qu'il y ait une décentralisation qui tienne compte de réalités sociologiques. Et la sociologie, même si Auguste Comte n'est pas africain, mais la sociologie, dans sa dimension actuelle, c'est d'abord la famille. Et on voudrait absolument avoir une décentralisation qui tienne compte des réalités sociologiques. Et la réalité sociologique, c'est qu'ils ont des problèmes au Rwanda. C'est qu'il y a des gens qui ont traversé depuis 58-59, qui ont même été interdits par la loi congolaise et par une communication des anciens responsables coloniaux, les interdisant d'aller faire de la politique au Congo, parce que ce sont des Belges qui avaient traversé la frontière. Mais je crois qu'il faudrait que nous puissions raisonner, au-delà de tout ce que nous avons comme divergence, majorité, opposition ou société civile, ce qui nous unit, nous, est plus fort que ce qui nous divise. Et si nous allons certainement continuer à donner de la chance aux Rwandais, en épousant des femmes rwandaises, en prenant cause et effet pour le Rwanda, je crois que nous risquerons de devenir
de rêver et que le Congo de demain sera plus problématique que ce que nous avons aujourd'hui. Mais je voudrais aussi attirer l'attention de l'opinion publique sur ce que certains considèrent toujours qu'au Congo, il y a un problème de haine ethnique et consort. Mais comment pouvez-vous accepter conflit communautaire que quelqu'un vous prenne votre épouse, vous prenne votre enfant, vous prenne vos biens de la maison, il ramène au Rwanda et entre-temps, on vous dit il faut discuter, il faut échanger, comme si cela constituait déjà une baguette magique à travers le monde. Lorsqu'il faut aller en Libye, on dit c'est pour défendre la population. Le président libyen a été attaqué et même est tué. Mais qu'est-ce qu'on entend au Congo? En Syrie, c'est tout le monde qui crie. Mais on connaît que les gens qui ont tiré, qui ont tué 300 personnes en Syrie, 300 d'ailleurs, pas même 6 millions et demi que nous avons déjà perdus. Ce sont des Syriens qui sont dans la rébellion, qu'on voudrait trouver un prétexte pour pouvoir les venir en aide officiellement pour écarter M. Bachir. Et je crois que cela, que la communauté dite internationale a toujours péché depuis 60 avec l'ONU, jusqu'au moment où nous parlons, parce que je suis en tout cas très choqué de voir que le complot contre le Congo, ce n'est pas nécessairement le Rwanda, c'est les anglo-saxons, moi je le dis, ont toute responsabilité, et je crois que s'il faudrait écrire, je vais l'écrire encore davantage, et ce sont eux qui voudraient absolument morceler le Congo. Malgré que j'entends certains diplomates en train de nous dire que nous ne pourrons plus débalkaniser le Congo, ça sera l'œuvre des Congolais, mais je crois que l'œuvre est en train de se matérialiser, et tout ce qu'on appelle des réfugiés qui sont au Rwanda, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des citoyens rwandais que les Rwandais avaient envoyés au Congo, qu'on a gardé quelque part pour dire les jours, on va traiter la question des réfugiés rwandais, on va les ramener au Congo et nous aurons déjà occupé un espace pour qu'en 2020-2025, le Congo soit balkanisé. Voilà un peu ce que j'ai pu dire. Monsieur Norbert Yambayamba, comment expliquez-vous ces mouvements de personnes quand on parle de 200 familles en termes de personnes, donc c'est plus de 200 personnes. Est-ce là une autre phase? Nous venons là d'entrer dans une autre phase du projet de balkanisation du pays de Lumumba. Vous savez, merci d'abord pour l'opportunité. Je salue mon frère Benoît, ça fait un bout de temps, c'est un bout. Ça fait plaisir d'être ici pour lui. Je crois que on s'imagine le moins de la situation qui se passe à l'est de la République, dans notre pays. J'entends les gens dire balkanisation, démembrement de la République, mais on n'arrive pas véritablement à scanner la vraie situation. Je crois que la dernière fois que nous avons été ici, nous avons discuté sur cette problématique de la guerre. Et nous avons fait voir que maintenant on parle de 200 familles, mais aujourd'hui oui, on compte 1 300 000 personnes de la filière rwandophone installées à l'est de la République. En commençant par ce qui s'est passé avec la FDL, le RCD, le CNDP, aujourd'hui M23, etc. Et ça va continuer. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Ce projet est de mettre en place un état tampon. Mais écoutez, il faut dire combien de fois. C'est très clair. 80% des réserves de coltan, c'est dans l'est de la République. Le gaz métal, avec quelle intensité? Écoutez, le pétrole, le gisement pétrolier, sur cette nappe phréatique, qu'est-ce que c'est qui va de la Calvaire jusqu'à Bukavu? Mais écoutez, les puissances d'argent, il y a convergence d'intérêt entre les puissances d'argent, ce que mon frère dénonçait tout à l'heure, les voisins de la République et des compatriotes sur le plan interne qui montent, c'est tout ça, et qui savent où est-ce qu'on va. C'est très important. Quand on a parlé de la décentralisation au modèle rwandais, etc., n'est-ce pas, on a dit que Rutshuru, l'axe Goma, Rutshuru, Masisi, etc., deviennent, je ne sais pas comment on a appelé ça, etc. C'est pas ça la décentralisation, ça. Il y a un principe, des principes directeurs qui sont énoncés par la constitution de notre pays, dans lesquels il faut respecter. Tel n'est pas le cas. Et l'idée, c'est fondamentalement mettre en place, c'est pas, un pays tampon qui va jouer, qui va servir l'intérêt, les intérêts du Rwanda et qui, visiblement, devra répondre aux préoccupations de puissance d'argent. C'est cela. Et là, il y a une complicité à trois niveaux. Au niveau externe, de la communauté internationale, qui est une dénomination anonyme, orchestrée par des multinationales, il y a la sous-région, les pays voisins,
qui aujourd'hui donnent l'impression qu'ils sont plus mûrs que nous. Et il y a aussi des Congolais qui sont dedans, qui savent où est-ce qu'on va. C'est très important. Et c'est comme ça que là, je voudrais vraiment interpeller mon frère Benoît, qui est un nationaliste. Il s'inquiète. Et je sais qu'il parle avec son, du fond de son cœur. On fait des amusements au palais du peuple. Ah bon? On fait des amusements au palais du peuple. On veut la cohésion nationale. Ces gens ne nous respectent pas parce qu'ils ne sont pas soudés. Il a dit, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de majorité. C'est le Congo âgé. Oui, le Congo âgé, mais le Congo doit être soudé. Il faut construire les concertations nationales. D'où les concertations nationales. Oui. Par le modèle que nous voyons au partage du peuple. Ah bon? Les concertations qui aboutissent à des recommandations qui visiblement ne vont rien servir parce que ça n'a pas permis à dégonfler. Non, là vous plongez dans les Congo pessimisme et puis non, récent. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis un analyste. Tu m'as présenté comme paysan. Tu m'as présenté comme paysan, mais pas n'importe lequel. Je suis quand même un analyste, érodé, professionnel, dans mon pays. Connu. Donc là, vous avez déjà mis un pas dans notre deuxième thème. Je crois que... Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces mouvements de personnes? C'est ça ma préoccupation. Si c'est qu'il y a des mouvements de personnes, il y aura encore d'autres qui vont entrer. J'ai dit qu'on est déjà à plus d'un million trois cent mille personnes. Comment ils sont arrivés dans ce pays? Ils étaient combien au départ? Ils sont arrivés à un million. À quel niveau? À quel moment? Et c'est qu'on est en train de... Mais le pire, c'est quoi, M. Mbayamba? C'est que ces gens occupent des habitations, des terrains abandonné par les autochtones. On ne sait pas quand les autochtones vont s'élever. Peut-être que les pays restent à venir. C'est une stratégie. C'est une stratégie qui est mise en place. On vient, on fait la terrain, on fait déplacer les autochtones, etc. Et puis on donne la possibilité à ces gens de s'installer. Aux concertations nationales, on a parlé de renforcement de l'autorité de l'État. N'est-ce pas là une preuve patente de manque de cette autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national? Mais la déliquescence de l'État, c'est depuis des années, non? On reproduit ces soldats-là, etc. Donc on n'en voit pas, on ne voit pas beaucoup d'efforts par rapport à ça. Moi je pense que le problème est plus grave que ça. Il faut que les Congolais prennent conscience. Ceux qui sont dans la majorité, surtout eux, parce qu'ils croient qu'ils ont conquis un terrain vierge, etc. Ils doivent bien comprendre qu'en voulant tout monter, l'échec deviendra très dur en tombant. C'est très important. Il a fallu profiter au maximum de concertation du palais du peuple pour ressouder la cohésion nationale. On a raté une occasion utile, quelle que soit l'ampleur des problèmes que nous traversons. On a raté sincèrement. Ah bon? Qui se retrouve au palais du peuple? On va en parler. Je suis très désolé que de voir mon pays plongé dans une situation incontrôlable pendant des années et il n'y a pas de solution durable. Les gens pensent que bon, c'est la communauté internationale qui interviendra. Qui ont organisé l'esclavagisme dans ce pays? Qui ont organisé la colonisation? Qui ont organisé l'impérialisme? C'est quel illogisme ça, que de croire que bon, on nous a fait souffrir, on nous pille, et on croit que bon, on va nous libérer. Non, non. S'il y avait libération, on attaquerait. La situation en Syrie n'est pas la même chose qu'ici, n'est pas la même chose qu'en Libye, etc. Simplement parce qu'il y a des intérêts qui sont mis en exergue. Donc, sincèrement, je lance un appel pour que les Congolais comprennent que ce qui nous attend, ce sera plus grave si on ne prend pas conscience, si on ne peut pas être ensemble, si on ne peut pas parler la même voix, si on ne peut pas dissuader à la fois les puissances d'argent, le voisin, pour comprendre que nous formons un et que nous sommes capables de relever le défi parce que c'est notre identité et que nous ne pouvons pas la perdre. Ça, c'est très important. Mais il me semble que les gens sont là à la distraction, en train d'entendre les partages du pouvoir, en train d'entendre... Bien, messieurs Norbert Yambayamba. Messieurs Benoît Yolama du PPRD, parlons concertation nationale. Hein. Pendant plus de 20 jours, les Congolais se sont réunis pour parler Congo. Et aujourd'hui, c'est jeudi, nous avons carrément assisté à un atterrissage, en douceur, il faut le dire, de ces grands forums nationaux, avec les diverses résolutions et conclusions qu'on va présenter au chef de l'État, initiateur de ces assises. Alors, globalement, comment avez-vous apprécié les déroulements des travaux et les termes de ces travaux?
je ne peux pas entrer dans le fond des nombreuses réflexions qui ont été faites pendant ce forum. Mm. Mais ce que je voudrais simplement donner comme élément, c'est d'abord la confiance. La confiance entre Congolais. Entre Congolais, même si certains sujets sont un peu problématiques à l'intérieur, mais je crois que le premier élément qu'il faut, certainement souligner, c'est que nous devons nous considérer comme des citoyens, parler en tant que partenaires. Et je crois que si l'ambiance qui avait régné avait totalement son caractère, on ne pourrait pas se reprocher un certain nombre de choses. Mm-hmm. Mais ce qui est toujours curieux dans de telles aventures, c'est qu'il y a des gens qui ont des agendas privés, un peu cachés, voulant tantôt obtenir, devenir président de la République, premier ministre, le président de la nouvelle chambre qui pourrait être une assemblée constituante. C'est cela qui pose problème. C'est nous qui parlons ici. S'il fallait que les gens soient consultés, nous serions à la première loge. Mais malheureusement, nous n'avons pas été considérés. Nous sommes là, mais des années. On vous a écarté, hein? Moi, je ne pense pas qu'on nous a écarté. Moi, je crois que nous sommes maintenant. Vous êtes un peu frustré? Nous continuons à défendre la République, parce que nous, on n'est pas là pour penser à nos petits intérêts privés, sinon on ne serait jamais arrivé ici. Nous continuerons à défendre la République. Alors, monsieur Ouzama, l'objectif pour lequel ces assises ont eu lieu, c'était aboutir à la cohésion nationale. Pensez-vous que tel que les travaux se sont déroulés, c'est presque déjà la fin, pensez-vous que nous allons réellement aboutir à la cohésion nationale, voulue par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongi? Je n'ai jamais été d'avis qu'on peut dégager une cohésion nationale au travers un forum quelconque, puisque j'ai lu les documents du professeur Banyaku qui a retracé l'historique des différents forums qui ont eu lieu sur le Congo depuis 1958 jusqu'à ce jour. Et dans l'ensemble, il a eu